Hello, bienvenue sur Shenzhen Créa. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul action Enos du 4 décembre 2020 sur Limoges. Donc, de loisirs créatifs, des petites pépites en Disney. Et voilà, on va faire action Enos. Et on fera une autre vidéo et on fera aussi, je vais vous expliquer un peu tout. Enos, je commence par ceci. Donc à 2,50€ prix unité, donc j'en ai pris 3, Frozen 2 pour vous ouvrir sur la chaîne. Voilà, avec les boîtes. Et j'ai pu prendre le carton, donc je suis trop contente. Moi qui aime bien les cartons comme ça, ça me permet de ranger les trucs en scrap ou en Disney, voilà. Donc c'est Funko Pop, hein. Et c'est des vinyles figures. Je vous fais voir une boîte et on va se les ouvrir ensemble après. Voilà. J'en ai pris que 3 Frozen. Et j'ai pris la même chose. Donc 250 unités, pareil. Et là, c'est Toy Story. Et j'en ai pris 4. Je vous fais voir une boîte. Hop, voilà. Vous voyez tous ces personnages. Voilà. Et j'en ai pris 4. Et c'est 2,50€. Les doubles, je les revendrai, je pense, sur Vinted. Voilà pour Enos pour commencer. Ensuite, on va essayer de mettre ça comme ça. Voilà. Ensuite, désolée pour la luminosité, mais il fait un temps affreux. Donc voilà. Je vais passer à ce qui est en promo. Et après, je passerai à ce qui n'est pas en promo. Au lieu de 7 euros, ce massico est à 2,80€. Je me suis pris un petit massico comme ça. De la marque Loisir Xika Création. Il peut aller jusqu'à 10-15 cm. Il y a peut-être une règle qui s'ouvre, je sais pas. Bref. Il fait 2-3 cm, mais voilà, je me suis dit, pour quand je veux couper, vite fait, je pense que je vais le laisser ici, en plus. Voilà, pour couper les photos bien comme il faut. Voilà. Donc 2,80. Voilà. Au lieu de 7. Je vous fais bien voir. Voilà. Désolée vraiment pour la luminosité. Ensuite. Des petites boules comme ça, c'était dans le rayon Noël. Il y a une décote de moins 50, elles étaient à 2,50€. Donc il y en a 6 dedans. C'est de la marque Loisir Xi by Rolden. Et ils font 40 mm. Il y en a 6 pièces. Voilà, des toutes petites. Voilà. Ce qui était encore en réduction. Donc, de 2,50€, c'est passé à moins 50%. Donc, il y avait marqué You are amazing, you are beautiful, you are sweet, beautiful sweet, dream et sweet dream. J'espère que je les ai pas. Si je les ai, bah, je les vendrai pareil. Donc, voilà. Sans inutile. 2,50€. Donc, moins 50%. 2,50€ moins 60%. Donc je l'ai trouvé joli. Il y a marqué Bloom. Il y a une. C'est de la collection. Donc ça, c'est Studio Light. C'est de Karim John. Et l'autre, c'était Essential. Il y a Blooming. Il y a des dice plus les tampons. Je l'ai trouvé joli. Voilà. Ensuite, il y a Craft Created by. Made by, created with a sign, a smile, pardon, made with beautiful craft, à 2,50€, toujours moins 50%, voilà. Go travel, go on an adventure, travel time, wanderlust, go fly, pareil, la marque essentielle, la marque Studio Life, les essentielles. Enjoy every day, enjoy every smile, enjoy every load, enjoy every love, love every day, enjoy every adventure, love every adventure, smile every day. C'est tous les mots qu'on peut faire en fait, voilà. Pareil, moins 50%. Et celui-ci, creativity, imagination, freedom, love,
1,99 moins 50%. J'espère que je l'avais pas. Je sais plus. De la marque Studelight Mixing Media. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, on continue toujours dans Nose. Donc Nose, pour continuer dans le, ce qui est Noël, j'ai trouvé ce petit ruban là. Il est trop mignon. Des petits pingouins comme ça dans les tons roses poudrés et roses. Voilà. C'était 3 mètres. Par contre, je ne me rappelle plus du prix. Je crois que c'était 60 centimes. Ça, je pense que c'était ouais, pareil dans les 60 centimes. Donc, c'est de la marque. Ça, c'était... je sais pas. Je connais pas la marque. Et ça, c'est Tendance Fête. Il y en a 9 pièces. Et c'est des petites girafes, des petits éléphants et des petites maisons. Alors, la petite maison, on va mieux la voir derrière. Désolée, je bouge un peu. Voilà. Vous puissiez voir. On a des petites girafes, des petites maisons, des petits éléphants. Voilà. Ah mince, ça, je ne l'ai pas ouvert. Je vais l'ouvrir. De la marque Simply Creative. À 99 centimes, il y en a 16 x 16. Des petites paires comme ça en bois. Voilà. 16 éléments en bois. Voilà, ça, je trouve ça mignon. Là, je vais essayer d'ouvrir ça. Ça va prendre du temps mon truc. Pourquoi j'ai même pas ouvert avant? C'est dingue ça. Voilà. Hop. Voilà. Je suis désolée, je perds du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Avec leur truc aussi, il faut dire ce qu'il y a. Voilà. Bon. J'ai trouvé ce petit blog de thecraftblog.com. Ça, c'est je sais pas qui. Paper Addict. Le Christmas Bell. Voilà. Je vais vous faire voir les papiers. Je le trouvais trop beau. Alors, des petites fées comme ça. Des petits marqués Magical Christmas. Comme ceci, des petits papiers comme ça aussi, des petits papiers comme ceci, petits papiers comme ceci, des petites cloches avec des fées. Je trouve ça trop beau, franchement. Je trouve bien les, j'aime bien les couleurs claires comme ça, les petits sapins comme ceci. Est-ce qu'on voit bien? Franchement, je suis vraiment désolée pour la luminosité. Des petits trucs comme ceci. Fleurs. Des petites écritures. Il y a marqué Merry and Bright. Voilà, dans les tons roses. Il est vraiment beau ce bloc. Christmas Witch. Voilà, dans les tons gris et rose. Il est vraiment très très beau. Des petites étoiles, là vous les voyez, je pense. Vous voyez pas bien la couleur du bloc, mais bon, on va faire comme on peut. Hein. Des petites cloches comme ça sur une ribambelle. Vraiment très joli ce bloc. Petit bloc comme ça. Et il était à 1,99€. Donc pas si cher que ça. Des petites étoiles comme ceci. Des petites boules à neige comme ceci avec des petites fées dedans. Je trouve ça vraiment trop mignon. Franchement, joli. Dans les gris verts, on dirait qu'il est, je sais pas trop comment dire. Ouais, gris rose. Des petites, voilà, des petites fées roses.
fait des petites branches de sapin. Voilà. Peut-être aller allumer la lumière comme derrière moi parce que même s'il y a un petit reflet, il va falloir mettre ce petit reflet quoi, parce que il n'y a pas assez de luminosité. Celui-là, ça va se voir. C'est bon. Vous avez vu à peu près le style de bloc que c'est. De toute façon, je pense qu'on fera un petit projet avec ce bloc-là. Ensemble. Il est trop mignon. Voilà. Je crois que j'ai fini. Voilà. Voilà ce petit bloc. Le Christmas Bell. Il est trop beau. J'adore. Ensuite, de chez Studio Light. À 1,99€, j'ai trouvé ce tampon-ci. Avec la boîte aux lettres que j'ai bien aimée. Le Santa dans The North Pole. Les enveloppes, tout ça. Le style de Noël. Ça, ça peut se faire un petit album sympa pour Noël aussi. Ensuite, à 3,99€, c'est Dicey. Donc là, il y a marqué Merry and Bright, ho ho ho, Merry Xmas, Jingle Bell, Holly Holly Xmas, Christmas Hug et Snow Cool. Donc il est très très beau. Je pense qu'en plus, il passe dans la petite machine de chez Action que j'ai ici. Donc je vais faire des petites découpes. Voilà. Et ça, c'était 3,99€ de la marque First Edition. Toujours de First Edition, ces petites boules à neige là. J'espère que je les avais pas. Je ne sais plus. Donc voilà. Je pense pas que j'avais celle-là. J'en avais d'autres, mais pas celle-là. Je sais plus. Donc à 3,99€, je les ai trouvées mignonnes. Donc je vous fais voir l'arrière. Là aussi, je vous fais voir l'arrière. Ça peut peut-être vous aider. Là, il y en a 4 pièces. Là, il y en a 7 pièces. Voilà. Là. Voilà. Là, un petit bloc. Ah oui, il était à moins... Il était à moins 50%, donc 1,20€ moins 50%. Voilà, il est magnifique. C'est un Studio Light. C'est le Winter Season Scandinave. Voilà, j'adore. Je trouve ça trop beau. Donc ça, je pense qu'on va se faire un petit album avec ça. Un mini album avec ça, je pense que ça peut être pas mal. Non, je crois que j'ai passé vite là. Voilà. Il est vraiment très très joli. J'ai oublié de mettre du rouge à lèvres. Oh là, bien sûr, je jure. Et j'ai trouvé de Marc Studio Light à 1,99€ des blocs comme ça. Alors j'adore. Je suis fan. Regardez-moi ça comme c'est joli. J'adore ce qui est un peu tropical en ce moment. Et animalier quoi. J'aime bien les couleurs en plus. Cette page là, elle est trop belle. Là, vous le voyez mieux. Et puis, un petit brin, on va dire, d'éclairci. On va dire d'éclairci vite fait, quoi. Celui-ci. Celui-ci. Le, j'ai passé vite. Donc du coup j'en ai pris deux, il ne faut pas vous faire voir le deuxième. Celui-ci. Celui-ci. Celui-ci avec l'espèce de Saint-Jean-Bas. Celui-ci. Et celui-ci. Voilà, très bien. Il y en a trois à chaque fois je crois. Il fait 14,8 x 21 cm, il y a 36 feuilles, il fait 170 grammes et c'est Paper Pad Quality voilà, de Studio Light. Voilà, 1,99€. J'en ai pris deux. Voilà pour ça. Ensuite, on passe à Action. Action, pas grand chose. Hein. Les rayons étaient presque vides. Donc, j'ai trouvé, je sais plus qui c'est qui disait ça. Je sais plus qui c'est qui disait ça. Je me rappelle plus. Elle disait qu'elle rangeait ses niveaux dans ou autre chose, dans scrap.
Et c'est 1,88€, donc j'en ai pris deux. Je vous en fais voir qu'une. Une boîte à thé comme ça. On peut ranger pas mal de trucs dedans. Voilà. Pour mon chat, à 0,72€, une petite souris parce que c'est bientôt Noël et il faut préparer les cadeaux de Noël. Pour moi, je sais plus combien c'était ça, 0,81 je crois. Voilà. Des petits morceaux de bois comme ça. Ça c'était dans le rayon avec les fleurs, je crois. À 1,39€ de la colle. Alors il y a un petit embout et un embout mousse. Voilà, je sais pas si on va voir. Voilà, le petit embout et l'embout mousse en haut. Donc small et large. Voilà. Ensuite. Allez, ils vont se finir ces petits trucs là. Donc je me suis pris celui-ci. J'ai trouvé trop mignon. Donc voilà. Oh, mais je suis pas trompée. Non, je crois pas. J'espère pas. Je sais plus si je l'avais ou pas. Peut-être trompée. Ah non, c'est celui-là. Voilà. Vous savez, c'est pour faire des cartes. Ça, on fera un album ensemble. Hein, parce que vu qu'il est tout petit. Un mini-album avec ça, ça peut le faire. Je sais pas si je l'avais déjà, mais comme ça je vais faire ici un petit mini-album. Je suis sur l'image là, donc avant qu'on me crie dessus, je suis sur l'image parce que ma mère est une personne vulnérable et que j'ai demandé l'autorisation au commissariat, donc j'ai le droit d'y aller. Donc voilà. Pour ça... Ensuite, bah, j'ai pris ceci, c'est pas nouveau, mais je me suis dit, pour faire un mini-album ici, ça peut être pas mal. J'aimais bien les couleurs un peu pastel, comme ça. Je vous le fais voir. Donc, c'est les Paper Stack Deluxe. Il y a 5 feuilles avec foil, 5 feuilles avec glitter, 5 feuilles couleur print et les stickers. Je vous le fais voir. Je le trouve joli, celui-là. Yeah, hop. Très graphique mais très joli je trouve. Pour faire un petit album, je pense qu'il peut être pas mal. Un petit album un peu pastel, graphique. Je trouve qu'il est joli. Voilà. Là c'est comme du papier glacé en fait. Voilà. 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 Bon. Bon, 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 bon. Nettoie peut-être. Hein. Hop. Hop. Là, j'aime bien la tête. Je sais pas si on la voit bien. Voilà. Très bien. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Ce petit bloc qui était. Ah, je vous ai dit le prix de l'autre. Oui, 1,99€. Des petits pochoirs. Donc, je vais pas les ouvrir. Mais je vais vous faire voir comment c'est fait. Hop, derrière. Voilà, vous voyez, je l'ai pris surtout moi pour la, le toucan, puis les alphabets. Donc, stencil, alphabet, stickers x3, donc il y a les alphabets, il y a quelques chiffres et quelques petits machins, c'est pour mettre là-dessus, ils disent. Et ça, c'est 0,84€, j'ai pris celui-ci et celui-ci. Alors là, il y a la tortue, le flamant rose, l'encre. Donc j'espère que je ne les avais pas à la maison, je sais plus. C'est pas grave, au pire. En nouveauté, j'ai trouvé ces feuilles-ci. Alors, elles sont trop belles. Elles sont à... J'ai dit combien ? 0,94. Oui, je crois que c'est 0,94. Oui, c'est ça, 0,94. Voilà, des feuilles en velours comme ça. Et elles font comme... elles font ces 5 feuilles, 8 feuilles de bricolage velours à 5 autocollants. Donc à 5 autocollants et ils disent pas la mesure. Bon là c'est un peu abîmé mais c'est pas très grave en soi. Voilà, j'en ai pris deux comme ça. Donc, voilà, je vais voir les couleurs. Là hop, là hop. Voilà, là hop, là hop. J'ai pris une comme ça. Et une comme ça. Voilà. Et j'ai pris une comme ça. Alors là c'est jaune. C'est jaune. On ne verra pas bien jaune. Et là, voilà. Le jaune pastel. Dans les couleurs pastel, j'ai trouvé ça joli. Et pour finir à action, des stickers cheat.
Et c'est des nouveaux. Je les ai trouvés trop beaux. Regardez-moi les petits. Alors là, pour vous repérer, c'est en rose, marqué Sticker Sheet. C'est de la marque Craft Universe. Et c'est, voilà, avec ça. Donc je vous fais voir vite fait. Donc, hop, voilà. Je vous fais voir vite fait. Hop, là, la petite girafe. La petite girafe. Oui, la petite girafe, j'ai adoré. La petite panthère, j'ai adoré. Je vous fais voir comme ça. Ce sera plus facile pour moi. Voilà. Je vous fais voir quand même comme ça. Non, je vais vous faire voir comme ça. C'est des stickers. Voilà. Avec plein de mots. Hello. No. Hello. Love. Voilà. Beaucoup de feuilles. Là, j'adore la panthère. Là. La bouche aussi. Voilà. Là, le petit tigre. Entouré comme une panthère. Voilà. Des tags. Ça j'adore, ça aussi j'adore. Là, la petite girafe, j'adore. Voilà, j'ai pris pour ça. Et puis tout ce qui est jungle, bah, j'adore. La jungle en ce moment, il est vraiment très beau. Même les petits tags là, bon, il y a du foil, mais c'est pas si gênant que ça. Là, il est vraiment très très beau ce bloc, vraiment très joli. Donc ça c'était 1,75 € il me semble, je vais vous dire, ou 77, je sais, comme ça. Oh là là, les tigres là, j'adore les tigres, magnifique tigre. Les zèbres là ici, c'est magnifique. Et là, voilà. Et c'est ça avec élastique. Voilà, un élastique vert qui est joli aussi. Voilà. Et ça, c'était 1,75 €. Voilà. Voilà pour mon haul Action Énos du 4 décembre 2020. N'hésitez pas à me donner vos avis, vos envies dans les commentaires. À liker cette vidéo si elle vous a plu. À vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. À cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!